Oui, bonjour à tous. Alors, avant de répondre à vos questions, j'aimerais préciser des choses. J'ai vu dans des commentaires pas mal d'attaques parce que j'ai mis un poste disant tout simplement que l'Iran ripostait, ripostait à l'attaque israélienne à Damas. Eh bien oui, c'est la pure vérité. Et je me fais insulter pour ça. Mais je. C'est absurde, c'est complètement absurde. Comment des gens peuvent insulter parce que l'on dit la vérité C'est pas une riposte C'est une attaque <laughs> Oui, c'est vrai que les deux, les deux mots maintenant sont complètement... Fondue dans une presse complètement absurde. Quelle est la presse qui parle de riposte? Aucune. C'est absolument absurde. On parle, parle d'attaque, d'attaque de la Perse sur Israël. Alors, franchement, moi j'ai rien pour les, pour les Iraniens. Bon, ils ont leur régime. Bon, moi je ne suis pas très chaud pour ça, mais franchement, là, ils ont raison. Ils ont raison de vouloir s'affirmer contre un fou furieux qui s'appelle Netanyahu. Non pas contre le peuple d'Israël, mais un fou furieux qui est Netanyahu et qui est d'ailleurs dénoncé par son peuple. Alors d'autre part, dénonçons évidemment l'Amérique, l'Amérique qui alors là est comblée, mais alors des démocrates républicains, parce que là, <laughs> c'est plus du tout... Non, même Trump, Trump a dit, je crois ce matin, que jamais l'Iran n'aurait attaqué Israël s'il avait été au pouvoir. Évidemment, il l'aurait écrasé avant. Oublie-t-on les 35 000 morts à Gaza Les 35 000 Palestiniens écrasés à Gaza Qui ne sont pas des combattants Soyons sérieux. Là, je trouve ça complètement absurde. absurde. Bon, alors votre première question. VP5881. Trouvez-vous normal que le Charles de Gaulle, navire nucléaire français, oui, porte-avion nucléaire français, passe sous commandement de l'OTAN. Il n'est absolument pas normal, absolument pas normal que le Charles de Gaulle passe sous la tutelle de l'OTAN. Absolument pas normal. Et là, disons merci à Sarkozy, qui a refait passer la France sous le commandement de l'OTAN. Merci beaucoup, Monsieur Sarkozy. <laughs> Merci à tous ces présidents qui ont été des valets des Américains. Alors CV mercenaires <laughs> me pose la question suivante. Mais alors tout ça, toutes ces guerres, ça profite à l'Amérique. Eh bien oui, oui, évidemment. Euh, Évidemment, CV et mercenaires, ces guerres profitent évidemment aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a qu'à regarder la guerre d'Ukraine. Cela profite évidemment aux États-Unis d'Amérique. Et puis, au Moyen-Orient, leur rêve serait vraiment... Que l'Iran disparaisse. Que surtout, il puisse reprendre la main, parce que les BRICS commencent à ronger le Moyen-Orient. Eh oui, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis qui rejoignent les BRICS, pas bon pour eux. Donc ils ont évidemment quelque chose à jouer. Mais encore une fois, et comme d'habitude, cette chose à jouer, ce n'est pas la diplomatie, c'est la guerre, toujours la guerre avec les États-Unis. Ils n'ont que ça en tête, la guerre, la diplomatie de la canonnière depuis 50 ans. Et en plus, ils abandonnent, ils abandonnent les pauvres populations qu'ils ont soi-disant soutenues pour la démocratie. Évidemment, il a liberté, mais ils les laissent. On a vu ça au Vietnam, on a, vu, on a vu ça en Afrique, on a vu ça en Irak, on a vu ça en Libye, on le voit partout, partout, partout. Et en Somalie, où ils étaient intervenus. Pour des raisons humanitaires. Ah, laissez-moi rire. Vraiment, laissez-moi rire. Et en Europe, la Yougoslavie détruite, etc., etc. Des pays mis à bas. Pourquoi Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe en RCD avec le chiffre de 8 millions de morts non, ce n'est pas 8 millions de morts, c'est 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Alors, le Rwanda, le Rwanda, actuellement, est en République démocratique du Congo. Ils soutiennent, ils soutiennent évidemment des mouvements comme le M23 le M23 qui sème la panique au Congo depuis des dizaines d'années. Les, les mouvements pro-Rwandais qui pillent le Congo, qui pillent le Congo, sont tous, 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 tous payés par le Rwanda. Absolument tous. Et d'autre part, évidemment, les États-Unis. Et maintenant, les Européens, puisque les Européens viennent de passer des accords avec le Rwanda pour le coltan, coltan que les Rwandais n'ont pas, mais qui vont chercher au Congo pour les, tous les minerais précieux qu'ils iront chercher au Congo et qu'ils rapporteront à l'Europe. Jean Bimbois, bonjour Philippe. Question, les diplômes, sont-ils indispensables pour être reporter de guerre Enfin, il vaut mieux avoir fait certaines études, oui, euh, pour euh, maîtriser la technique. Ça me paraît tellement évident. La technique, la technique de cadrage si vous êtes derrière une caméra, la technique d'écriture si vous êtes derrière un stylo ou, une, ou un ordinateur. Et puis la technique pour envoyer, pour formater les choses. C'est très important. Alors évidemment, il faut passer par une école de journalisme. Moi, de mon époque, c'était pas du tout la même chose. Oui. Et puis je me suis formé quand même difficilement, je peux vous le dire. Hein Ça a été dur. Mais bon. Par contre, moi, à ce moment-là, il y avait peu de journalistes qui faisaient ce que je faisais. Ce que je faisais. Maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup plus et d'autre part, les rédactions sont beaucoup plus distantes. Donc, passer par une école, il vaut mieux, franchement. Et alors, quant, au, quant aux gens qui réceptionnent certains journalistes sur place, moi, j'ai euh, eu affaire à plein de gens qui, nous réception, qui me réceptionnaient sur place. Il y, avait, il y avait des traducteurs, il y avait également... Des gens qui me drivaient, en Somalie en particulier, eh bien, c'est des gens qui, eux, sont des journalistes, sont des acteurs de la société civile et qui essayent de vous aider dans une mission. Voilà. Mais attention, il faut, il faut avoir toujours du recul parce que ces gens-là sont évidemment pris dans la tourmente et donc. Ben, ils, ils, ont, ils ont une certaine idée de ce qu'ils qu veulent faire faire à votre métier. Et donc là, il faut redresser la barre et avoir uniquement sa vision. C'est très, très important. Je crois d'ailleurs que malheureusement, beaucoup de journalistes ne l'ont plus, hein. ce recul. Alors, Work Sense. Alors, moi, je voulais savoir que ce que vous pensez vraiment de notre pays, ou de l'Union européenne, et que l'Union européenne pourrait trent, tenter de déclencher un conflit. Ou alors, nous, nous allons rester à la technique du Seigneur, du Seigneur SAI, pour la Russie. Oh, moi, je pense que de toute façon, l'Union européenne n'a pas les moyens, à moins d'engager l'OTAN. Attention, à moins d'engager l'OTAN dans un conflit contre la Russie. À moins d'engager l'OTAN, parce que l'OTAN, si l'OTAN est vraiment engagée dans une guerre contre la Russie, il y aura à ce moment-là des choses épouvantables qui vont se passer. Car ce, ce, ce sera une guerre mondiale. Car les Russes ont là une chose très précise, si l'OTAN rentre en guerre contre la Russie, il y aura des frappes ciblées ciblées en Ukraine, en nucléaire. C'est sûr. Car la Russie ne peut pas, ne peut pas, absolument pas, perdre dans cette guerre. Ce n'est pas possible pour eux. C'est une question de vie ou de mort. Et la Chine, à ce moment-là, à mon avis, pourra également, également, se dire que il vaut mieux il vaut mieux s'allier avec la russie. c'est évident. donc, voilà. alors, est-ce que nous, européens, on peut? on peut vraiment. européens, pas l'otan. on peut vraiment se battre contre les ICI, je dis non. mais, est-ce que l'otan peut le faire? je dis oui. mais, alors, avec un risque de guerre nucléaire. Michel me pose la question suivante en signant un accord avec le Rwanda pour l'importation de minerais et des terres rares, l'Union européenne ne se rend-elle pas complice des pillages des ressources congolaises Oui, évidemment, évidemment, Michel. Encore une fois, l'Europe se rend complice de pillages et de génocides cette fois-ci, car les Rwandais n'ont pas les terres rares et ils n'ont pas Absolument pas les minerais que l'Union européenne leur demande. Alors, Madame van der Leyen se rend coupable de génocide. 10 millions de morts au Congo. Alors, j'ai constaté une forme de modèle répétitif. Ceux qui ont été victimes de génocide semblent être plus génocidaires eux-mêmes. Israël a surfé et surfe encore, si cela, sur la Palestine. Eh bien oui, oui. Oui, oui, oui. C'est assez étrange cette position de gens qui ont subi le génocide et qui en font un eux-mêmes. C'est assez sidérant. Alors je suppose que le peuple d'Israël... N'est pas vraiment d'accord, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de ce qui. de ce qu'ils font. Moi, je, je trouve ça complètement absurde. Complètement. Out. Alors oui, je voudrais également terminer par ceci. Je viens de voir un sondage. Un sondage français. Les sondeurs ont demandé aux jeunes de France s'ils étaient prêts à protéger leur, leur patrie, leur nation et à aller sous les drapeaux. Il n'y a que 51% des Français, des jeunes Français, qui sont d'accord pour aller sur les drapeaux et à défendre leur patrie. Alors, bon c'est vrai, je suis un peu vieux, mais moi quand j'avais 20 ans, on m'aurait dit ça. Je serais allé tout de suite. Alors moi je suis un peu interloqué par ça. Mais alors je suis également très très interloqué par le sondage et les questions du sondage parce que on est en train de vous dire 51 des Français sont-ils sont prêts à défendre leur patrie contre la Russie parce que c'est ça en fait le, le fond du sondage. Mais non, pas du tout, ce c'est pas du tout les questions posées. Les questions posées c'est est-ce que vous êtes prêt à défendre la France mais la France n'a rien à voir avec la guerre d'Ukraine. Soyons sérieux. Donc voilà. On aurait mieux fait de poser la question, est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts à défendre l'Ukraine, le régime de M. Zelensky, et à vous engager dans l'armée française pour défendre l'Ukraine? Je crois que là... Il n'y aurait pas eu 50%, il y en aurait eu peut-être 5 ou 6%. Bon, ben écoutez, voilà, mes chers auditeurs. Eh bien, merci pour ces questions qui étaient quand même un peu rares. Mais merci beaucoup. Et puis bon, voilà, on... je vais mettre ça en ligne. Écoutez, à très bientôt, à très bientôt sur ma chaîne. Allez, au revoir.